Et y'a les potes, c'est Dako, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas, dans cette vidéo on va utiliser les 300 derniers diamants qu'il me manque pour faire le portail de Zeldris. Vous avez vu que j'ai invoqué 600 diamants, je peux tout vous expliquer. Mais avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner en mettant la petite cloche de notification sur toutes pour pas rater les prochaines vidéos. À mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup les gars, je vous explique, quand le portail était sorti, il était 6h, j'étais pas chez moi, j'avais mon téléphone. Je me suis dit, bah depuis le temps que je vais tester les singles, autant faire des singles et les 600 derniers diamants je les ferai en vidéo. Mais il y a eu un bug, d'un coup je me suis retrouvé à 600 diamants. Je vous rassure, vous avez rien raté les gars. Je peux vous dire un petit peu ce que j'ai eu dans les 600 premiers diamants. J'ai eu du Nanashi, j'ai enfin eu la Lise, donc c'est un personnage que je voulais dans le portail. J'ai pas eu Chandler, c'est celui que je veux le plus. J'espère le débloquer dans cette vidéo, sinon bah ça attendra. Dans tous les cas, après je vais skip tous les portails jusqu'au portail de l'anniversaire qui va être annoncé sur la version Jap. J'en ferai peut-être une vidéo si vous êtes chaud. De toute façon j'ai 700 diamants sur mon compte Jap qui sont réchauffés. Du coup on est parti pour la première multi-invocation. Ça fait longtemps, on va dire sur la chaîne, moi ça fait depuis ce matin, la vidéo je la sortirai mercredi mais vous avez compris. Allez, les 30 premiers diamants, j'ai pas eu d'anime scanner, j'ai pas eu de double SSR pour le moment. Normalement il y a encore de la luck les gars, normalement il y a de la luck ou alors il y a rien du tout. Peut-être on va faire une vidéo sans SSR, c'est possible. En tout cas, je suis obligé d'invoquer, j'adore Zeldris, je pense que ça se voit à ma photo de profil sur YouTube, elle est inspirée de Zeldris, même si c'est pas vraiment lui. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu les petites différences, mais c'est un personnage que j'adore. Du coup, j'invoque, je le récupère, et s'il y a du Chandler, on dit pas non. Première multi, c'est un tiré bleu, il n'y a pas de UR dans le portail, du coup on sait très bien qu'il n'y a pas de SSR. Et c'est le début des problèmes. Peut-être que quand j'ai invoqué, fallait mettre le petit bébou. Fallait mettre Chandler. Si je le débloque, j'achèterai son skin avec des diamants, celui qui, où il ressemble à un démon. Je le trouve trop mignon. Au moins, si je le débloque pas, je pourrais pas dire que j'ai pas essayé. Voilà, j'aurais fait 900 diamants sur le portail. Et ce sera sans regret. Est-ce qu'on va l'avoir? Je vous rappelle qu'il est en rate-up. Le cochon, l'épée, il n'y a pas eu le bruit aigu, mais j'aime pas ce genre d'invocation. Dès qu'il y a le cochon dans une multi, oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit, après il peut avoir du Meliodas. Ah oui, j'ai eu du Meliodémon rouge, j'ai eu Escanor, du Gozer rouge, du King Bleu Free to Play. J'ai eu tout ça que j'ai déjà spé max aussi dans les 600 premiers diamants. Là, il est l'heure de récupérer Chandler s'il vous plaît. Tirer arc-en-ciel, pas de puissance d'esquip, on profite, il n'y a pas beaucoup de diamants du coup, autant en profiter. Et puis sur la chaîne, j'ai jamais eu les invocations, les animations des invocations quand ça explose tellement j'esquip. Déjà, si on n'a pas le Meliodas dans le SR, on sera pas bien, parce que du coup ce sera après le SSR. Là on a la puissance du Marmas. Ok, on n'a pas eu le Meliodas les gars. Donc je crois qu'il y avait deux SR après le SSR. Il est où le SSR? J'ai pas compté, mais je crois que c'était le 8ème. Vérifie vite fait. Attention. Ah le Melio. Après, c'est Meliodas assaut. On dit pas non. Il passe P2, je l'avais SP1. Ça c'est oui. Ça c'est clairement un petit oui. Mais on veut le Chandler aussi. Bon, ça fait plaisir d'avoir enfin un personnage en rate-up. Ça c'est le fait d'avoir mis le petit Chandler avant d'invoquer les gars. Donc Meliodas mode assaut, P2. Ça, ça met bien, c'est vrai qu'il y avait assaut. Oh, ça, on va pas skip cette animation les gars. On peut marquer cette vidéo dans l'histoire de mes vidéos sur cette DS. J'ai enfin l'animation Lost Vein sur cette DS, sur ma chaîne, parce que je l'ai déjà eu hors vidéo. Mais voilà, on va pouvoir... Ah, ça fait du bien. Du coup, je l'ai vu, il y a bien un écran noir. Bon, il tient Lost Vein dans les mains, mais il y a bien une sorte d'écran noir au moment où il y a l'Albion. Il y a un abonné qui m'avait dit ça dans l'espace commentaire, et j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc, si tu passes par là, t'es compris, les gars. Il m'a fallu 3 mois pour comprendre, mais on peut profiter. Franchement, les animations assistent... Oh, attendez, c'est un fake out. C'est peut-être le premier, du coup. Attention. Bon, c'est pas le premier. Mais je crois qu'il y avait pas de cochon, les gars. Imaginez, on a Chandler sur un fake out. Imaginez, hein. Je dis ça. Bon, je dis ça parce que j'aimerais bien Chandler. Bon, ça c'est les R et je crois après il y a 3 SR d'affilée. Attention, c'est pas celui-là. On a le gris à mort juste avant le SSR. Non, c'est pas le SSR, du coup c'est le dernier SR. J'ai essayé de bait. Après il y a des gens qui disent mais comment tu sais pour savoir. Allez, il se casse. Oh non, Force Arthur. Après je crois qu'il était SP5 sur mon compte. Du coup il va passer SP max. Mais bon, j'aurais pu le mettre SP max, c'est juste j'ai fait n'importe quoi, ces doublons, j'ai dû les mettre à la poubelle. Et on arrive aux 700 diamants, les gars, il me reste plus que 200 diamants pour essayer de récupérer Chandler. Ça s'annonce très mal. Après, il suffit d'une multi, hein. Il suffit d'une multi. Bon, ça, c'est un tiré bleu, les gars. Ça, c'est un tiré bleu, je les reconnais. Au bout d'un an de jeu sur Seven Deadly Sins, je peux vous dire que vous les sentez, les tirés bleus. Allez, là, après, il restera 150 diamants. On fera une pause portail, on remettra Chandler pour être sûr d'avoir tout donné en stratégie. Ça a cligné des yeux, marque du démon, pas de cochon. Donc, il y a des gens qui disent, oh là 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 là, attendez,
Est-ce que j'ai eu quoi là? J'ai eu la grosse marque. Je crois que j'ai tout eu, là c'est 2 SSR hein. J'ai eu le counter, la grosse marque. Plouf plouf. Bon, on dit que j'ai tout eu. Après on sera étonné s'il y a 2 SSR, on verra. Le tir est goldé. Est-ce qu'il bat l'avion? Oui, 50-50, ah il bat pas l'avion. Il fait un 50-50, c'est comme ça Meliodas. C'est comme ça entre nous, bah du coup c'est que 1 SSR les gars. Mais bon, on sait jamais, il suffit d'un SSR hein. Est-ce que je vais continuer à avoir des personnages qui sont pas en rate up? Donc c'est pas un Meliodas mode assaut parce qu'il y avait pas le cochon. Allez, un petit Chandler là. Ce serait beau. Ce serait beau un petit Chandler avant la fin du portail. Ludo aussi LSP2. Pourquoi pas? C'est pour la GVG, ça va servir. En plus, il y a le level 90, du coup, autant augmenter l'aspect. On dit pas non à Ludo Ciel, il me manque plus que 4 fois. Donc c'est que ça reste quand même énorme 4 fois. Il nous reste 4 fois à choper Ludo Ciel pour le mettre SPMAX, mais on sait jamais, il peut avoir une multi-escanor. Hein. On remet le petit Chandler pour les 150 derniers diamants. Et c'est parti, les gars. C'est parti, hein. C'est l'heure de changer et d'avoir Chandler. C'est le personnage que je voulais quand j'ai invoqué de base. Hein. Et je peux vous dire que pour le moment, je pense pas qu'on va finir avec, mais au moins j'aurais tout donné. Donc sachez qu'après il reviendra sur un autre portail où les là c'était les joueurs japonais qui étaient en train de voter dessus. Nous on l'aura aussi un jour, vous inquiétez pas le portail, du coup faut voir. Oh là là là, j'aime pas ces animations, hein. Le petit skip. Regardez, j'ai que lui les gars, j'ai que lui. Je vous jure, dans les 600 diamants en single, il est venu 1 milliard de fois le Zeldris bleu. Hein. J'ai eu du Zeldris, hein, mais c'est pas le bon les gars. C'est pas le bon. Il nous reste 3 multis pour essayer de marquer l'histoire. Non, bon, il nous reste plus que 2 multis parce que celle-là, je le sens pas. C'est chaud les gars. On va repartir sans l'un des personnages que je voulais absolument, c'est terrible. Mais bon, au moins après, je skip tous les portails jusqu'à un bête de portail. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un skip rouge. Oh là là, il y a eu le bruit aigu. Le bruit aigu, c'est terrible les gars. 50-50, je pense qu'on peut skip. Et là, ça va être la dernière multi les gars. Au moins du suspense, s'il vous plaît. Au moins une belle animation. On ait de l'espoir jusqu'à la fin. Pas un vieux tiré bleu. Oh non, pas l'animation du cochon. Après, on a la branche, mais bon. Ça sent pas bon, les gars. Ça sent pas bon. 50-50. Après, il y aura encore la multi avec les tickets. Mais ça, je le ferai sûrement sur Twitter. Si vous voulez la voir, je la publierai sur Twitter si j'oublie pas. Le Twitter est dans la description pour ceux qui veulent. Type jaune. Ah là là, le tiré bleu. Il y aura pas de Chandler en 900 diamants. Au moins, on a tout donné. On va récupérer quand même le petit Zeldris, comme ça, ça fait quand même un personnage en plus dans la box. On le met là, en plus il est sympa, il peut être joué avec plusieurs teams. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me dire, vous allez skip, est-ce que vous avez invoqué, est-ce que vous avez skip. À mettre un petit pouce bleu et nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les potes. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You can't